Eh bien, salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le procédé magique numéro 18, donc le jour 18 de ce podcast sur le livre La Magie. J'espère que vous allez bien et ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes à 10 jours quasiment de la fin de ce podcast. Au moins de celui-là déjà, après on rattaquera d'autres podcasts, vous verrez. Mais aujourd'hui, on va voir ce qu'est le procédé magique numéro 18, donc qui s'intitule « La liste de tâches magiques ». Donc hier, on avait vu le chèque magique, on avait vu les ingrédients magiques, on avait vu une santé magique, on avait vu comment attirer plus d'argent dans sa vie, on avait vu comment attirer le travail. Et aujourd'hui, on va voir comment réaliser, tout simplement résoudre une liste de tâches qui est un peu barbante, on va dire, pour nous, ou difficile à mettre à réaliser, voilà. Donc déjà, ce qu'on va faire, mais comme chaque matin, on va apprécier notre bonne fortune. On dresse la liste des 10 bienfaits dont on jouit dans la vie, on écrit le pourquoi on est reconnaissant, on relit cette liste et on dit merci, 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 3 fois, en éprouvant avec le plus d'intensité possible la gratitude que cette bonne fortune vous inspire. Ensuite, vous allez dresser une liste des plus importantes choses que vous aimeriez qui soit faite ou résolue pour vous. Et vous allez l'intituler « Liste de tâches magiques ». Ensuite, vous allez choisir 3 éléments de cette liste et imaginez que pour chacun d'eux, une solution a été trouvée pour vous. Tout simplement, vous visualisez le fait que une solution a été trouvée pour vous sur ces 3 éléments dans cette liste. Excusez-moi. Consacrez au moins une minute sur chaque élément et vous allez croire du plus profond de votre cœur qu'une solution a été trouvée. Et sentez-vous gonflé de reconnaissance, voilà, comme si une force invisible, une force magique avait réussi à vous résoudre ce problème-là ou cette tâche-là, avait réussi à trouver une solution. Donc vous allez éprouver le maximum de reconnaissance, le maximum de gratitude que ça vous inspire et que, comme si voilà, cette tâche-là avait été résolue. Si elle avait été résolue, comment vous vous sentiriez? Tout simplement, vous consacrez une minute à chaque élément. Et avant d'aller vous coucher, vous allez tenir votre petit caillou magique dans une main et dire le mot magique « merci ». En pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Voilà pour la liste de tâches magiques, pour ce procédé numéro 18. Tout simplement, il faut appliquer ce genre de procédé dans votre vie et vous verrez qu'après ces procédés-là, vous pourrez les relire ou les réécouter pour justement vous familiariser avec tout ça et les appliquer dans votre vie. Vous verrez que ça deviendra instinctif. Demain, nous allons voir pour le procédé magique numéro 19, la magie du cœur. Nous allons voir comment, grâce à notre cœur, nous allons pouvoir éprouver un maximum de gratitude et comment, avec la magie du cœur, on va pouvoir appliquer des choses et faire exaucer des choses dans notre vie. Donc c'était Vince, et puis on se retrouve demain pour le procédé magique numéro 19. Je vous fais de gros bisous, et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao !